c'est mon casque. Écoutez, Cascas FM 95.9, c'est l'heure de la grande édition à la présentation Ibrahima Dembélé, cabine technique Mikasel. Voici les titres. L'organisation des ressortissants de Moudéri a officiellement remis les clés de deux nouvelles salles de classe construites et équipées sur fonds propres de cette structure de développement de la localité du département de Bakel. Région de Tambacounda, en plus de deux blocs d'hygiène entièrement rénovés et équipés, ont été réceptionnés. Seneweb révélait hier que le procureur de la République avait ordonné l'arrestation de deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, Massata Samb et Mamadou Niang. Ces parlementaires étaient au cœur de la bagarre qui a valu la députée Amine Ndiaye à un état de grossesse d'être hospitalisée à l'hôpital principal de Dakar. Pour l'actualité internationale, nous irons en Mauritanie, au Mali, au Gabon, au Soudan et en Éthiopie. Le sport fermera ce journal dans un instant de développement. Commençons d'abord ce journal par l'actualité locale. Le centre de santé de Cascas s'ouvre demain, lundi 5 décembre 2022, ainsi que le personnel de santé le personnel du poste de santé du dit village va rejoindre ce centre de santé avec l'appui du médecin qui y est affecté. L'organisation des ressortissants de Moudéri a officiellement remis les clés de deux nouvelles salles de classe construites et équipées sur fonds propres de cette structure de développement de la localité du département de Bakel, région de Tambacounda. En plus, deux blocs d'hygiène entièrement rénovés ont été réceptionnés. Ces infrastructures, dont la construction, la réhabilitation et l'équipement sont estimées à 30 millions de francs CFA, constituent un véritable intrant pédagogique et ont été mises au sein du collège d'enseignement moyen de Moudéri qui abrite provisoirement le lycée de la localité. Une occasion pour l'inspecteur Amadou Diouf Diallo, secrétaire général de l'IF de Bakel, de souligner que la création de ce lycée a été une vieille doléance et heureusement que c'est sous le magistère de l'IF Alla Tiaou que ce vœu est en train de prendre corps. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avait été interpellé sur l'intérêt des classes préparatoires à l'Assemblée nationale pendant le vote de son budget en plénière. Invité de jury du dimanche sur e-radio, il est revenu en détail sur la question. Pour Moussa Baldé, les classes préparatoires en France, ce n'est pas dans les universités, mais dans les lycées. Donc, précise-t-il, les professeurs qui enseignent ne sont pas des enseignants-chercheurs, mais des agrégés qui ont été formés pour former des gens. C'est une tradition franco-française. Les tensions pour le paiement des bourses doivent être définitivement réglées. Il faut faire de telle sorte que
qu'on puisse à chaque fin du mois payer les bourses. Pour le mois d'octobre et de novembre, beaucoup d'actes pour le paiement des bourses sont signés par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La précision est du ministre de tutelle Moussa Baldé, invité du jury du dimanche sur e-radio. C'est à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal que boulangers, transformateurs, producteurs et représentants de l'État se sont retrouvés pour arrondir les angles sur l'épineux problème de la chèreté du blé et de son acheminement dans nos pays. Les boulangers du Sénégal, après moult expériences, ont montré leur disponibilité à accompagner l'État compte tenu de leur savoir-faire dans l'incorporation des céréales locales dans le pain. Le décret qui pose problème est celui qui, faute de ne pas être appliqué, aurait dû permettre aux populations de changer leurs habitudes alimentaires. Lequel décret, publié depuis 1979, fait obligation aux boulangers d'incorporer des céréales locales dans le pays. L'ITEA, l'Institut de transformation alimentaire, ayant fait les recherches préliminaires, l'incorporation devient donc possible et plus qu'avantageux au plan nutritionnel et du transit intestinal. L'État pourrait du coup limiter le déficit de la balance commerciale en raison des difficultés d'approvisionnement du blé consécutives à la guerre en Ukraine. Le projet de budget du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale a été arrêté à 253 901 559 411 francs CFA en autorisation d'engagement et 125 139 438 167 francs en crédit de paiement. Il a été soumis au vote des députés réunis dimanche en session plénière à l'Assemblée nationale sous la direction de son président Amadou Mam Diop. Les travaux ont démarré à 10h30 en présence du ministère du Développement communautaire Samba Diobenka, qui défend ce budget au nom du gouvernement, aux côtés de ses collègues Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, et de Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. CNEWEB révélait hier que le procureur de la République avait ordonné l'arrestation des deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Massata Samb et Mamadou Niang. Ces parlementaires étaient au cœur de la bagarre qui a valu à la députée Ami Yaye, en état de grossesse, d'être hospitalisée à l'hôpital principal de Dakar. On en sait plus sur les coulisses de cette entrée en action de la justice. C'est le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, après une réunion du bureau de l'institution, qui a saisi le ministère public sur procès verbal juste après l'incident. Le président de l'Assemblée nationale est en effet habilité à saisir le procureur comme il est stipulé dans l'article 53 du règlement intérieur. Cet article 53 dit « En cas de crime ou de délit, il, c'est-à-dire le président, fait dresser le procès verbal et saisit immédiatement le procureur de la République. Il en rend compte au bureau de l'Assemblée nationale. » Pour rappel, le membre de l'opposition, Massata Samb, avait levé la main sur la députée de la majorité, Ami Yaye, jeudi 1er décembre, lors de l'examen du budget du ministère de la Justice, l'accusant d'avoir incité Serigne Moustapha Sy. Ce fut le point de départ d'une bagarre impliquant plusieurs autres parlementaires, dont son collègue du parti, Mamadou Niang. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale. Commençons l'actualité internationale par la Mauritanie. La coalition Vivre Ensemble, CVE, participera à toutes les élections municipales, législatives et régionales prochaines, a déclaré son président, M. Ba Mamadou Alassane, sur le réseau social WhatsApp il y a quelques jours. Il s'agit, affirme-t-il, d'une décision de principe et qui nécessite quelques réglages. Dans ce cadre, une commission ad hoc a été créée et s'occupera du cadre légal et des modalités pratiques pour cette participation. Elle se réunira sous peu pour statuer. Pour sa part, la commission exécutive de la convention ne ménagera aucun effort pour relever le défi. Au Mali, la libération des 46 soldats ivoiriens. La CEDEAO fixe un ultimatum au Mali. Les dirigeants des États de l'Afrique de l'Ouest réunis au sommet dimanche à Abuja ont exigé de la junte au pouvoir au Mali qu'elle libère avant janvier les 46 soldats prisonniers depuis juillet. Sous peine de sanctions, ont indiqué des responsables ouest-africains.
Au Gabon, le Gabon a été secoué par un tremblement de terre ce dimanche 4 décembre 2022. Les autorités suivent l'évolution de ce phénomène. Plusieurs médias gabonais annoncent que le pays a été touché par un séisme ce dimanche. Un tremblement de terre d'une faible intensité s'est fait ressentir dans plusieurs quartiers de Libreville à 11h et de Lambéréné à 10h54 et qui a duré environ 5 à 10 secondes, rapportent les médias à Libreville, notamment Gabon Info. Au Soudan, des milliers de manifestants islamiques ont protesté samedi à Khartoum, la capitale, contre la mission des Nations Unies dans le pays. Cette manifestation intervient dans la ligne des rassemblements organisés par des factions islamistes ces dernières semaines, après que les dirigeants militaires et un bloc civil clé ont annoncé leur intention de signer un accord initial. En Éthiopie, environ 65% des combattants rebelles ont été désengagés des lignes de front dans la région du Tigré un mois après un accord de paix signé avec le gouvernement fédéral éthiopien, a annoncé le commandant en chef des forces rebelles. Le commandant a toutefois évoqué la présence de forces dans la région qui ne veulent pas la paix et sont des obstacles à la paix, en référence à l'armée érythréenne et aux forces régionales et milices de la région d'Éthiopie de l'Amara, qui ont épaulé l'armée éthiopienne dans le conflit qui a débuté en novembre 2022. Dans un instant, la page sportive. La page sportive sera présentée par Mamoudou Yaya Thiam. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Quels sont les résultats de la Coupe du Monde? Avec le Sénégal qui joue en ce moment et qui est mené, largement mené, et le Sénégal qui est même proche de la correction. 3-0 pour les Anglais. 3-0 pour les Anglais. Donc nous sommes à la 85e minute. Les Anglais ont ouvert le score avant la pause. D'abord, c'est Henderson qui marque à la 38e minute, Harry Kane qui double la mise dans le temps additionnel. Puis en seconde mi-temps, c'est Bukayo Saka qui marque à la 57e et qui scelle donc le sort du Sénégal qui ne parvient même pas à réduire le score. En ce moment, on est à la 85e, donc plus que 5 minutes. Est-ce que ceux qui n'ont pas réussi à faire en 85 minutes, ils vont le faire en 5 minutes? Ce n'est pas évident. Et surtout face à une équipe anglaise bien organisée qui bloque déjà les ailiers sénégalais depuis le milieu de terrain. Donc c'est dire que le Sénégal est plus proche revenir que de continuer l'épopée dans cette Coupe du Monde. Les Lions donc risquent de s'arrêter là, puisque en ce moment on est à la 85e. Les chances du Sénégal de remportement sont à 0,1%, 0,2% match nul contre 99,7% de chances de victoire pour les Anglais. Donc pratiquement les cartes semblent déjà cuites, même si match dure 90 minutes plus le temps additionnel, quand même, il faut dire qu'avec l'expérience des Anglais, c'est pas facile de les de mettre donc autant de buts en si peu de temps. Rappelons que même du point de vue de la possession, les Anglais ont 64% de possession, là où le Sénégal n'a que 36%. Les Anglais ont réussi 86% donc de passes. Des passes qui sont assez précises, contre 79% pour les Sénégalais qui perdent beaucoup de ballons, surtout les duels. Le Sénégal a un carton jaune, les Anglais n'ont pas eu de carton. C'est Kadri Koulibaly qui a coupé d'un carton jaune il y a quelques instants. Les Anglais ont 3 corners, 0 corner pour le Sénégal. Donc ça reflète un peu le score. Le score donc semble logique, vu ces statistiques. Le score donc semble logique. Donc à la 86e, l'Angleterre déjà prépare son match de quart de finale. L'entraîneur est en train de sortir certains cadres pour donc les reposer en vue du match de quart de finale prévu contre la France. Ce sera donc match de choc entre le champion du monde et le vice-champion d'Europe. Aujourd'hui, c'était le champion d'Afrique contre le vice-champion d'Europe, et le vice-champion d'Europe est en train de prendre l'ascendant. Et en quart de finale, l'Angleterre contre la France, champion du monde en titre, qui a battu aujourd'hui facilement, l'équipe
de la Pologne par le score de 3-1 avec un doublé de Kylian Mbappé. Un premier but inscrit par Olivier Giroud à la 44e minute, juste avant la mi-temps. C'était le temps idéal, le moment idéal pour marquer. Donc, Mbappé a marqué à la 74e et à la 90e plus 1, puis Lewandowski qui marque ce penalty à la 90e plus 9 pour donc réduire le score en faveur donc de la Pologne, mais ça ne suffisait pas. 3-1 pour la France et en ce moment 3-0 pour 3-0 donc pour l'équipe de l'Angleterre devant le Sénégal. En dehors de Angleterre France pour les quarts de finale, on aura d'abord demain dans le huitième de finale à 15h Japon Croatie, puis à 19h Brésil Corée du Sud. Puis mardi, les deux derniers matchs de huitième de finale se joueront entre d'abord le Maroc et l'Espagne, puis le Portugal et la Suisse. Donc déjà on connaît certaines affiches de quart de finale, surtout le match Pays-Bas Argentine, et on s'achemine aussi vers un Angleterre France prévu donc le vendredi 9 décembre. Merci Mamoudou Yaya Thiam. Dans un instant, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. L'organisation des ressortissants de Moudéry a officiellement remis les clés de deux nouvelles salles de classe construites et équipées sur fonds propres de cette structure de développement de la localité du département de Bakel, région de Tambacounda. En plus, deux blocs d'hygiène entièrement rénovés ont été réceptionnés. CNEWEB révélait hier que le procureur de la République avait ordonné l'arrestation de deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur. Massata Samb et Mamadou Niang, ses parlementaires, étaient au cœur de la bagarre qui a valu à la députée Amine Ndiaye, en état de grossesse, d'être hospitalisée à l'hôpital principal de Dakar. L'actualité internationale nous a menés en Mauritanie, au Mali, au Gabon, au Soudan et en Éthiopie. Le sport a mis fin à ce journal. Dans un instant, la version poulard avec Demba Diagne.